Guillaume et Louis sont dans deux classes différentes. Le professeur de Louis donne toujours des examens avec 30 questions, tandis que le professeur de Guillaume donne toujours des examens avec 24 questions. Même si les deux classes ont un nombre différent d'examens, leurs professeurs leur ont dit que le nombre total de questions d'examen par an est le même pour les deux classes. Quel est le nombre minimal de questions d'examen que Louis et Guillaume doivent s'attendre à avoir par an? Il y a beaucoup d'informations dans ce problème, mais on va décortiquer tout ça ensemble. Donc on nous dit que dans la classe de Louis, ils ont des examens avec toujours 30 questions par examen. Tandis que dans la classe de Guillaume, ils ont des examens avec 24 questions par examen. Et on nous dit que les deux classes peuvent avoir un nombre différent d'examens, mais qu'à la fin de l'année, ils auront tous répondu au même nombre de questions. Donc ça veut dire, par exemple, pour la classe de Louis, on va regarder ce qui se passe. Pour la classe de Louis. Pardon, pour la classe de Louis, au bout du premier examen, ils auront répondu, ou en tout cas, ils auront travaillé sur combien de questions? Eh bien, 30 questions, puisqu'il y a 30 questions par examen. Donc 6-0, c'est ici. Au bout du premier examen, ils ont répondu à 30 questions. Au bout du deuxième examen, ils auront répondu à combien de questions, à ton avis? Eh bien oui, 2 fois 30 questions, c'est-à-dire 60 questions. Au bout du troisième examen, ils auront répondu à 3 fois 30 questions, 90 questions. Au bout du quatrième examen, ils auront répondu à 120 questions. Au bout du cinquième examen, s'il y en a 5, ils auront répondu à 150 questions. Et on pourrait encore continuer à compter le nombre de questions. Mais on va s'arrêter là pour l'instant et on va regarder ce qu'il se passe pour la classe de Guillaume. Guillaume. Alors, au bout du premier examen, à combien de questions est-ce qu'ils auront répondu? Eh bien, ils auront répondu à 24 questions, puisqu'il y a 24 questions par examen. Au bout du deuxième, ils auront répondu à 2 fois 24, c'est-à-dire 48 questions. Au bout du troisième examen, ils auront répondu à 72 questions. Au bout du quatrième examen, ils auront répondu à 4 fois 24 questions, c'est-à-dire 96 questions. Au bout du cinquième examen, ils auront répondu à combien de questions? À 5 fois 24 questions, c'est-à-dire 120 questions. Au bout du sixième examen, ils auront répondu à combien de questions? 144 au total, etc. On pourrait encore continuer. Ici, on nous demande quel est le nombre minimal de questions d'examen que Louis et Guillaume doivent s'attendre à avoir, sachant qu'ils doivent avoir le même nombre de questions répondues à la fin de l'année. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est le plus petit nombre de questions pour lequel, à la fin d'un examen, la classe de Louis et la classe de Guillaume ont répondu au même nombre de questions. Eh bien, si on regarde notre dessin, on a trouvé notre réponse, c'est ici, 120. Au bout du 1, 2, 3, 4e examen pour la classe de Louis et au bout du 5e examen pour la classe de Guillaume, les deux classes auront travaillé sur 120 questions. Donc on a notre réponse, c'est 120. 120 questions. Mais en fait, on peut trouver cette réponse d'une autre façon. En fait, répondre à cette question, ça revient à calculer le PPCM, le plus petit commun multiple de 30, pardon, je vais le réécrire, de 30 et de 24. Tu vois, 120 ici, c'est le plus petit des multiples communs de 30 et de 24, pardon. Donc ici, on a déjà la solution. Mais on peut trouver cette solution d'une autre façon, sans avoir à faire ce dessin-là. On peut décomposer 30 et 24 en facteurs premiers et calculer le PPCM comme ça. On va prendre une autre couleur et c'est ce qu'on va faire. 30, si je le décompose en facteurs premiers, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, 30, on peut l'écrire comme 2 fois 15. Et 15, on peut l'écrire comme 3 fois 5. 3 fois 5. Donc 30, je peux dire que c'est égal à 2 fois 3 fois 5. On va faire la même chose pour 24. 24, je peux écrire que c'est égal à 2 fois 12. Et 12, c'est égal à quoi? 12, c'est égal à 2 fois 6. Et 6, c'est égal à quoi? 6, c'est égal à 2 fois 3. Donc si je décompose 24 en facteurs premiers,
ça donne 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et le PPCM de 30 et de 24, c'est le nombre qui est à la fois divisible par 30 et par 24. Pour que le PPCM soit divisible par 30, il faut que j'ai un 2, un 3 et un 5. Donc je vais les écrire. Il faut avoir un 2 multiplié par 3 multiplié par 5. Ça fait en sorte que le PPCM est divisible par 30. Pour que le PPCM soit divisible par 24, il faut que j'ai un 2, un autre 2, un troisième 2 et un 3. Là, j'ai déjà un 2 et j'ai déjà un 3, donc il ne me manque plus que 2 2. Je vais les ajouter ici, on ajoute les 2 2 manquants. Donc, tout ça, est-ce que ça fait bien 120? On va vérifier ça ensemble. 2 fois 3, ça fait combien? Ça fait 6. 6 fois 5, ça fait 30. 30 fois 2, ça fait 60. Et 60 fois 2, ça fait bien 120. On retrouve notre résultat. Le PPCM de 30 et de 24, c'est 120. 120, c'est le nombre minimal de questions d'examen que Louis et Guillaume doivent s'attendre à avoir par an. On va voir un deuxième problème. Pour cela, je vais effacer tout ça pour faire de la place. Et on va étudier un deuxième problème. Donc, l'énoncé du deuxième problème, c'est celui-ci. On nous dit, Irène a acheté un paquet de 21 cahiers ainsi que 30 crayons. Elle veut utiliser tous les cahiers et tous les crayons pour composer des paquets identiques de fournitures pour ses camarades de classe. Quel est le plus grand nombre de paquets identiques qu'elle peut faire avec toutes ses fournitures? En fait, ce problème-là, ça revient à calculer le PGCD, le plus grand commun diviseur de 21 et de 30. Ce qu'on cherche à faire, c'est diviser, c'est trouver le plus grand nombre par lequel on peut diviser 21 et 30, parce qu'Irène veut utiliser toutes ces fournitures-là pour faire des paquets identiques qu'elle va distribuer à ses camarades. Donc on va calculer le PGCD de 21 et de 30. Pour cela, on va décomposer 21 et 30 en facteurs premiers. Donc 21, je vais par exemple l'écrire en bleu. 21, est-ce que c'est divisible par 2? Non, ce n'est pas divisible par 2, mais c'est divisible par 3. 21, c'est égal à 3 fois 7. Et nous avons ici notre décomposition en facteurs premiers. 21, c'est égal à 3 fois 7. On va chercher la décomposition en facteur premier de 30. On l'a déjà fait plusieurs fois, donc ça devrait être assez facile. 30, c'est égal à 2 fois 15. Et 15, c'est égal à 3 fois 5. Donc on peut écrire que 30, c'est égal à 2 fois 3 fois 5. Maintenant, on va chercher le plus grand commun diviseur de 21 et de 30. Bien, le plus grand commun diviseur, c'est le produit de tous les facteurs que 21 et 30 ont en commun. Ici, 21 et 30, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont 3 et c'est tout. 3, c'est le seul facteur en commun que 21 et 30 ont. Donc, on a trouvé notre PGCD, c'est 3. Irène va pouvoir faire 3 paquets identiques avec ses 21 cahiers et ses 30 crayons. On va essayer de faire un dessin pour représenter tout ça. Donc si on dit qu'on dessine les cahiers en bleu, je vais dessiner 21 cahiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va copier-coller tout ça. Donc là j'en ai 7. Je copie et je colle. Donc je vais coller cette partie-là juste en dessous. Si l'ordinateur veut bien. Donc non, ça ne marche pas. On va recommencer. On va copier. Voilà, on va déplacer cette partie-là ici. Ça nous en fait 14 au total. On continue. Cette fois-ci, on en a 21. On va les mettre, les aligner ici. Voilà. Donc on a 21 cahiers. Et je vais dessiner 30 crayons. Donc un crayon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va pareil les copier-coller. Donc ici, j'en ai 10. Là, ça m'en fait 20.
Et là, ça m'en fait 30. Donc on nous dit ici que le PGCD de 21 et de 30, c'est 3. Ça veut dire que la seule façon d'utiliser toutes ces fournitures et de faire des paquets égaux, c'est de diviser les cahiers et les crayons en groupes de 3. Regarde, là ça fait un premier groupe de 3, un premier groupe, un deuxième groupe et un troisième groupe. Ici, pareil, je peux faire 3 groupes. Un premier, un deuxième et un troisième. Et donc, par exemple, quand elle réunira ce groupe-là et celui-ci, ça fera un paquet. Celui-ci et celui-ci, ça fera un deuxième paquet. Et celui-ci, ça fera un troisième paquet. Chacun des trois paquets est bien identique. Et c'est le nombre maximal de paquets qu'on peut faire.